Après avoir fait pousser des plantes et avoir eu des vices, eh bien, Konsanzana, une nouvelle quête. Oh, c'est le streamer et Paimon, les pourvoyeurs de fleurs venus d'ailleurs. Ah bonjour, Konsanzana. Est-ce que les fleurs que vous avez amenées, qu'on vous a amenées, poussent correctement? Je ne les ai pas regardées de la journée. Ah, vous ne les aimez pas? Pourquoi n'êtes-vous pas allé les voir? Ça a été vraiment difficile pour moi d'en avoir, donc je veux vraiment m'en occuper. Mais je pense qu'elles pourraient faner sous mes yeux. J'ai peur d'aller les voir. Vous en faites beaucoup, vraiment. Vous en faites vraiment pour ces fleurs. Pourquoi n'irions-nous pas les voir ensemble? Comme ça, si quelque chose se passe mal, nous serons là pour vous aider. Vous avez raison. Allons-y ensemble. Avec votre aide, je sens qu'on peut y arriver. La quête s'appelle « Si c'était facile ». Avec trois petits points. Effectivement, je l'avais pas enregistré la dernière fois parce que je pensais que c'était juste un truc de quête. Enfin, un truc de quête, mais juste des fleurs à donner. Et ensuite, il n'y aurait plus rien, juste ça donnerait un succès. Je pensais pas que ce serait une quête secondaire. Sinon, je l'aurais... Mince, c'est pas fini. Je pensais que j'avais battu le truc. Sinon, j'en aurais fait un temps fort. Temps fort qui n'est que sur la rediff de... Enfin, du coup, cette quête n'est que sur la rediff de Twitch, la première partie. Faut venir sur Twitch, hein, ça veut dire. Mes précieuses fleurs, elles ont été détruites. Enfin, il en reste deux. Mais quel dommage, donc si vos fleurs ne poussent pas, c'est à cause des dégâts provoqués par les Primus Briseurs. Dorénavant, je vais monter la garde près de mes fleurs et ne plus jamais les quitter. Mais attendez, calmez-vous un instant, Konsanzana. Essayons de trouver une solution ensemble. Déjà, pourquoi les Primus Briseurs endommagent votre jardin? Jamais, non. Ces brigands n'osent agir que quand je ne suis pas là. Je suis hors de moi. Motivation. Je ne me doutais pas que Konsanzana avait ça en elle. Elle doit vraiment tenir à ses fleurs. Mais quand on y pense, ce n'est pas comme si les Primus Briseurs s'étaient enfuis en voyant Konsanzana. Que sont les fleurs? Pas les fleurs. Bah c'est possible, faisons un tour, on va peut-être trouver quelque chose. Les fleurs, elles poussent bien. Un rouage. Ah! Une horreur. Non, non, non. Tu es mort. Incroyable, streamer. Vous avez transformé ces affreux mécanismes en jolis composants en un seul claquement de doigts. Certaines des fleurs ont été endommagées, mais le reste a toujours l'air en bon état. Et les Primus Briseurs ne reviendront plus abîmer votre jardin. Donc vos fleurs peuvent maintenant pousser, devenir fortes et saines. C'est super, mais j'ai bien appris ma leçon. Désormais, je dois mieux prendre soin de ces précieuses fleurs. Streamer Paimon, vous m'avez apporté des fleurs si exotiques et vous m'avez même aidé à défendre mon jardin. Comment pourrais-je vous remercier? Il n'est pas nécessaire d'être aussi poli, vraiment. Ah oui, je sais, j'ai cueilli ces fleurs moi-même. Elles me sont très précieuses. Puis-je vous les offrir? Oh, bah si ces fleurs sont vraiment si précieuses, tu devrais peut-être commencer ton propre jardin floral et l'y planter, streamer. Serait-ce des marées-algues? Est-ce que ça compte comme des fleurs? Les marées-algues sont des plantes, et elles sont très belles. Donc bien sûr que ce sont des fleurs. C'est ce que les humains appellent la biologie. J'ai passé du temps à l'étudier, afin de pouvoir devenir une grande fleuriste à l'avenir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, mais ce n'est pas comme si j'en savais énormément sur la taxonomie des plantes non plus. Alors, taxonomie, parlons un petit peu d'étymologie. Taxonomie, ça vient donc d'un taxon. Un taxon, c'est... Internet. Parce que taxonomie, c'est l'art de donner des noms. Un taxon, je crois que c'est pas un nom, mais c'est un individu. Mais je vais vérifier. Taxon. Unité taxonomique. Telle qu'une famille, un genre, une espèce. Voilà, un taxon, c'est une famille, un genre ou une espèce. Donc la taxonomie, c'est donner son nom à un genre. Une espèce ou une famille.
Voilà, auprès de la culture générale. Je vais continuer à travailler dur pour atteindre cet objectif. J'ai entendu des humains dire que d'excellents fleuristes sont capables de créer de nouveaux types de fleurs, qu'ils peuvent ensuite apporter à des foires horticoles. J'ai très envie de faire ça et j'espère gagner des prix. Eh bien, c'est très ambitieux et tout, mais j'ai le sentiment qu'il y a encore des malentendus qui ne sont pas faciles à expliquer. Le but de participer à une foire horticole est d'apporter les nouvelles variétés de plantes qu'elle a créées et de les faire apprécier par les humains, n'est-ce pas? Le fait est que ses sens et son esthétique sont peut-être un peu trop différents de ceux des humains. Tu penses que les humains pourraient trouver bizarres les fleurs qu'elle cultive? Non. Et bien sûr, je suis son enseignante après tout, et si elle gagne, c'est tout bénéfice pour moi aussi. T'as fait que dalle, Paimon, alors ta gueule. Ah, c'est vrai, les variétés qu'elle va cultiver seront sans doute uniques, mais certaines personnes ne manqueront pas d'apprécier. Lorsque vous aurez cultivé vos variétés uniques, n'oubliez pas de nous le dire en premier, d'accord? Bien sûr, vous m'avez beaucoup aidé, c'est normal. Voilà. Fin du temps fort.